parce que il est pour un monde, c'est tous les amis, les familles, les rabbis. Et presque tout le monde connaît le monde qui est prêt dans le pays. Donc c'est dommage, c'est des gens qui ont fait comme là, ou des gens de population, hein, pour après avoir pu acheter caille avec l'argent cash Saint-Domingue, avec l'argent cash en Haïti, pour mettre dans un beau kit, pendant que la population, hein, en plus de l'économie en pas de marché, de obliger jeune l'argent pour que les pays, la question de rançon. Et c'est des situations qui non seulement dérangent les gens mentalement, mais qui appauvrissent, qui décapitalisent et qui fait que les gens ont plus tendance à quitter le pays à l'équipe ça arrive. Au top côté, amis auditeurs, déclaration économiste Edier Emile qui t'a parlé sur situation économique pays et qui non seulement dressé un tableau noir coulant comme tout fait qu'on est phénomène kidnapping qui a gros conséquences sur secteur économique pays responsable firme consultation Haïti efficace là dit tout situation ça rend par un victime ou vini plus pauvre dans sa salle demande autorité concernée pour toute disposition pour freiner insécurité en dans un payant nous on prend avec graduation ça qui fait non un local école police là police nationale d'Haïti du 3e corps inspecteur hier jeudi 13 mai 3e corps ça gain là-dedans 94 inspectés parmi eux 7 femmes dans cadre graduation ça qui été faite ambassade Canada dans pays d'Haïti sur Savage Soubopal qui était présent dans activité ça expliqué nouveau corps ça prend force PNH là dans l'idée pour capable bien fait travail li pendant l'encourage inspecteur ça pour prendre toute disposition pour capable aider à jayo garantir sécurité tout citoyen et puis faire promotion pour droit moun ambassade a fait qu'on y a travaillé dans tête collé à co commandement dans l'idée pour mettre en place un plan qui a renforcé capacité PNH là le directeur général pour un petit bout de PNH là Léon Chalté là tout et ben intervention li fait qu'on est une formation ça qui était commencé depuis 6 décembre 2020 fait dans un contexte difficile toutefois les formation ça c'est pour perfectionner travail pour ça pour combler attente population dans affaires sécurité. Voilà, tu gagnes là, c'est tout dans cadre d'activité ça, tout est gagné présence ministre justice et sécurité publique là qui c'est au café Lervès qui t'a présidé cérémonie ça, et encourager général DG AIPNH qui c'est Léon Charles pour placer inspecteur ça yo sur terrain sans printemps dans l'idée pour mettre en application formation formation yo sort prend toutefois les rappeler une série défi à événement police nationale là gain pour faire face à tant coup référendum à élection pour renouveler personnel politique là avant longtemps parole ministre justice en Waka Feller Vincent qui parlait dans le cadre de dossier si là. Gagne premier ministre AIPI qui c'est Claude Joseph qui lui-même et Claude qui démenti parole qui t'a fait quoi président à Chachéa. Nous dit que chef gouvernement et même fait qu'on est là. D'après que le président a cherché à changer constitution pour le cas et poser candidat pour réélection, chaque gouvernement croit pays a dû profiter de crise institutionnelle ça pour changer maman loi payant, pour réadapter à la réalité moment. Jean Dédian là, ministre de la Justice, pour nous retourner avec Claude Joseph Amela, nous retourner avec une activité graduation. Cohorte, troisième cohorte inspecteur, je dis qu'il était 13 meilleur, côté troisième cohorte ça, et qu'elle a donné 94 inspecteurs parmi eux 7 femmes, et gagné directeur général AIPNH qui était là, Léon Charles, gagné ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Stuart Savage qui était là, et j'en dédié à tout ministre de justice en Waka Feller Vincent qui t'a présidé cérémonie, et encouragé général en chef police non, mais pour nous dire bien DGAI police non, Léon Charles pour placer inspecteur ça au souterrain, prend souterrain, sans prendre temps dans l'idée pour mettre en application formation yo se prend toutefois les rappeler une série de défis à événement police nationale la gain pour faire face à un coup référendum pouvoir kembe tête droite pour organiser 27 juin qui venir là avec élection pendant fin année 2021 pour renouveler personnel politique là en côté ministre justice à sécurité publique là roi Kafeler Vincent dans micro 6h15 c'est en ce sens que la graduation de 94 inspecteurs élèves qui ont intégré l'Académie nationale de police depuis le 6 décembre 2020 afin de recevoir la formation nécessaire de cadres intermédiaires arrive à un moment crucial et déterminant de la vie de cette institution. L'inspecteur de police est
est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifient et celui des agents qui exécutent. Jean Saprivoy dans le code pénal Pédaïti. En côté Mario Langil, pour une deuxième fois dans le micro collaborateur, nous remanons samedi. Mais après le coup, ça le fait dépenser en veux-tu, en voilà. Il dit que l'IT est gagné supérieur, les personnes concernées, qui c'est le ministère de l'Intérieur avec collectivité territoriale, qui ont même été facilité pour être capable de faire dépenser en veux-tu, en voilà. Mais il faut que nous disions, SMCRS, la loi, elle clairement définit limite, le côté capable de gagner mission. Mission service SMCRS, l'Ichita, dans zone Port-au-Prince, à savoir, dans zone métropolitaine, dans zone dit, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Tabre, Cité sur les Croix des Bouquets, avec zone Montagne Noire, alors sur nous, des opérations qui sont dans le Nord. Donc, Magali, habitant, est obligé, et pour lui impliquer responsable de l'instance concernée, qui c'est le ministère de l'Intérieur, qui c'est lui-même qui tutelle, dans le cadre de dépenses pour faire en vertu en voilà avec l'argent de l'État. C'est pour ça, auditorat lui-même, il a demandé là, pour le bail, madame habitant, avec toute équipe, il y a administrateur, comptable, chef, pour être capable de faire un arrêt de bain. Parce qu'il y a faute de gestion, il y a gabegie administrative et puis il y a détournement de fonds publics. Donc, très bien. Vous pensez que le pire ou qu'il y a une raison pour inquiéter dans cette enquête-là? L'éclair, vous avez besoin de passer par quatre chemins pour capable, et pas de qu'elle saute, quand il y a elle-même, quand il y a ma courelle, par rapport à besoin de dépenses sur eux-mêmes, et ils pourraient aller les affaires. Donc, nous croyons que la loi prévoit des condamnations par rapport avec nous qui détournaient l'argent l'État ou bien qui dépensaient mal. Et ou bien pour remettre comme la minute qui n'est pas droit, ou bien tout pour capable aller jusqu'à 9 ans de prison. Ça t'a pas le dit là, pour 6 mois ça seulement, t'as gagné 159 719 104 millions de dollars qui t'a gagné pour être capable à le remettre. Donc nous croyons que ça qui a passé la journée aujourd'hui, il parle d'autres bagailles qui détournent l'argent l'État, gaspiller l'argent l'État, faire une mauvaise gestion de l'argent l'État. 5h55. Mario Lengil t'a profité pour te quelques explications sur rapport au te produit sous ancien directeur général police nationale à Michel Gédéon. Défenseur doit mon démenti parole qui t'a fait quoi? FJKL a participé dans un complot contre ancien DGA à avantage Normil Rameau. Mario Lengil rappelé yon seulement travail à partir de yon travail coup de compte t'es déjà commencé. En côté yon dernière fois, Mario Lengil toujours dans le micro Romanès samedi. Pas une idée préconçue, c'est pas une enquête nous mener sur nous, c'est une enquête nous mener par rapport avec nos rapports que pour des comptes lui-même lui sorti. Si mal mener une enquête sur pour former sensé, bon, parfois c'est ça y est, ça n'a chemise. Non, ça c'est un autre bagage, mais on produit un document, nous dit qu'il est analysé pour nous faiblesse avec force. Maintenant, en dans rapport FJKL là, il parlait de l'argent, il y a des gens qui disent surtout, en dans ça nous dit quelque part, est-ce que pas de nom dit, puisque FJKL lui-même, comme institution, il parlait de un paquet de bagailles, et puis, il a même parlé de relations FJKL avec des gens qui n'ont greffe. Et je me dis ça, coup d'un côté là, au prend ou gon camarade qui n'a greffe la même, c'est membre ou bien c'est monde qui n'a cabinet Samuel Madistin. Donc c'est comme si c'est de monde qui a fait des bagages contre Michel Angédéon. Non, pas well comme ça, parce que tout tribunal. Non, moi, m'dou ça m'tendait, parce que ça m'traite ou là déjà. Moun ka di ça, ou vle ou d'ailleurs ou habitué à ça. Moun enterre moun plusieurs fois. Cependant, il faut voir que toute audience dans le tribunal est au public. C'est pour ça d'inviter la presse et ouvrir dans différentes audiences qu'a faites dans le niveau coup des comptes dans tout. C'est même gens les gagnent dans le tribunal première instance, ou toujours la presse là, tout le monde là a regardé. C'est même gens avec coup des comptes. L'audience est publique. Audience au public. Mm-hmm. Donc, et pas parce que moi là, pour ne pas capable d'aller suivre un procès. Non, tout procès public. Au contraire, c'est l'en cachette pour nous dénoncer. Pour nous dire, pour qui ça fait des audiences en cachette, pour ça des activités qui sont publiques qui ont fait ça. Il y a des gens qui disent, bataille qui a fait là, c'est une bataille entre Michel Angédéon et Normil Rameau, comme quoi Younan yo a vu nouveau directeur général PNH là. Donc, l'équipe de Normil Rameau a poussé. Gardez sur le cabaret Michel Angédéon. Ça n'a pas qu'à rentrer dans la lutte entre deux policiers qui ont fait carrière ensemble en deux institutions policières. Là. Ça, c'est seul lui-même qui est capable de dire. Sauf que moi-même, à mon année conscience, je n'ai pas eu aucun problème avec Michel Angédéon. Et Michel Angédéon a dit publiquement,
et là il parlait avec bon Hélène Dabdi madame Gilles Labdou il est toujours dit seul il est Hélène toujours dit le frère donc c'est ça seulement que m'a dit pas un problème personnel avec personne qui plaît des noms Miramo qui plaît et Michel-Ange j'ai bien pas quoi tout et pour maturité que moi-même quoi bien pour temps passé dans question militance ou bien l'investigation de mener des enquêtes de terrain je ne veux dire m'ta ka ferme le doigt pour m'a quitter mon tiraille ma droite et à gauche en tout cas on va regarder ça de ka ça baï l'autre qui parle français te ka dit l'avenir dira le reste c'est pour ça nous même n'a suivre dénouement à faire ça dans toute phase li pour nous voir qui j'ai procédure là avant 6 heures. Voilà, ça c'est déclaration Marie-Hélène Gilles, lui-même qui c'est un responsable dans FJ et KL, Fondation J'éclairé, qui a travaillé sérieusement là, non produit un ensemble de rapports d'enquête que le menait sur un ensemble de dirigeants qui passaient, un ensemble de monde qui passaient dans la fonction publique là, dans la gestion de gain, il y a dans tête, il y a une institution ou pas. Bon, nouvelle sande déjà bali nan titre, il était fait jusqu'à présent la fait la une sur tout réseau social yo. Yo déclaré en République dominicaine ancien un président pays Elmi Thiele Matéli. Hein, persona non grata. Persona non grata avec ancien président pays Michel Joseph Martelly qui t'a parlé là jeudi à là pour t'a fêter date 14 mai, hein, 14 mai janvier date ça, son qui est important pour tout ça. Persona non grata, il était nécessairement comme président là. Il était président chaque 14 mai toujours mais fait parler toujours en bas en masse. Gros lobe. Eh bien, à travers un communiqué diverses organisations civiles dans société dans pays Saint-Domingue. Mais il a déclaré avec l'ancien président d'Haïti, qui c'est Michel Joseph Martelly, persona non grata en République dominicaine, après ça que nous-mêmes nous sommes capables de lire nos prestations que l'État Balba avec Jazli et Suite Mickey, parce que sincèrement, ma bonne mentir, vous êtes tous à Bajé, Suite Mickey a joué. Oui, et vous connaissez Mickey a joué qui dégage yes. Parole, qui est eh bien chanteur, et pas président, non chanteur lui-même, il dit. Déclaration complète, nous ensemble, nous déclarer persona non grata en République dominicaine, ancien président Michel Joseph Martelly. Qui t'a parlé là pour bon dire concernant pays Saint-Domingue vendredi 14 mai 2021 qui donc jeudi à là dans un espace qui est le Hard Rock Café dans Santo Domingo Michel Martelly les mêmes au lié que pour t'a pensé bien pour t'a dit li pour gotol fait pays là l'été président séparé la Paris pour t'a fêter et date ça mais ensemble organisation ensemble de structures qui en dedans qui en plus dominicaine qui dans organe qui dans société civile en plus dominicaine yo dit tetio non c'est moment ça c'est moment que pour ancien président Martelly ta chita souban hein souban pour souban côté la cour pénale internationale t'a capable juger le temps d'il pour crime contre l'humanité le faire contre peuple haïtien et pour question l'agent Petrocaribé à li gagoté avec équipe li qu'il manger li fait tout ça possible avec comme ça et pourtant population lui même toujours été dans misère toujours été dans la crasse alors que l'agent ça qui était là avec voilà avec pour te permettre que gain développement qui fait dans un ensemble de infrastructures réalisées les gars côté l'agence et puis jeudi à là les apparaît quoi pour la fêter question 14 000 dans le dominicaine ensemble d'organisation ça eu même dit que après un an tremblement de terre 2010 là qui t'a laissé 1,5 million haïtiens sans caille t'es la gué dans la ria t'es la gué tout uni après ça t'es fin passé à là famille petite fille petite garçon moun qui perdit parents yo qui jeudi à la gué orphelin orpheline dans la ria et bien yo t'es doué je viens de support comme ça, j'ai un moyen pour capable aider yo dans la réalité que yo t'a vu dans temps yo. Je dis à là, en plus, on a demandé avec le président Martelly, ensemble avec ses équipes, il y a côté l'agent Petrocaribé a quitté environ 4 milliards de dollars fonds solidarité Petrocaribé que mes pays et Venezuela, là, à l'époque, qui était le président Rafael Hugo Chavez, Fria Santé, avec, Andy en échange, t'es pas poté support avec un pays d'Haïti. Mais il était temps que l'agent s'attaque exactement pour tes supports, mais président Martelly, ancien président Martelly, les mêmes t'es réglé à faire parler avec ça. Côté le passé suspendu, reconnaître que en 2018, bien, président, ancien président Martelly,
investi d'après ça ou dit non yon hôtel 5 étoiles l'investi gros l'argent dans question ça et ben ensemble d'organisation ça que dit jeudi à peuple haïtien a souffri yon en grogue yon en misère dans la crasse alors que équipe politique mafieuse pour dire bien parti haïtien tête calé PHTK ensemble avec une autre série de structures fascistes pour dire bien qui est que président matériel créant dans société ya mais il a rend la vie peuple haïtien vinn pi mal li ensemble d'organisation ça dit que jeudi à là ancien président Michel Joseph Martelly, lui ensemble avec les équipes PHTK, yo responsable de misère, de calamité pays après là de moun après jodi a là parce que yo pas réglé rien sérieux et yo quoi jodi a là pas gain question pour président Martelly, a prend plaisir, a fêté 14 mai pendant ces temps compatriotes haïtiens qui en Haïti surtout vivent dans misère, vivent dans la crasse peut-être ça. Yo quoi que yo déclaré avec ancien président Michel Joseph Martelly persona non grata et est-ce que c'est seulement ce domaine yo déclaré persona non grata? Est-ce que l'autre côté encore pas déclaré avec Elmitier et Matéli personnel non grata, c'est question plus mon a posé mais déjà qu'on dans les coulisses, dans les couloirs en pile bra courir là et est-ce que tout ça va tourner en 2022 en tout cas et est-ce que tout pendant toute crise année élection tout va courir personnel non grata et derrière tout ça en Haïti surtout puisque qu'on est en plein monde reprocher tout ça pour ça que il commet comme gros crime financier qu'il fait avec pays pendant ces temps et population lui-même toujours été dans la crasse ou ensemble qu'on débloque ensemble qu'on mange surtout là, je vais être au Caribéa, mais on n'est pas jamais fait. Nous sommes Gérex Théâtre et je marchais poisson, l'autre côté encore, l'hôpital général qui jusqu'à présent là, qui est plus que 10 ans, qui n'a pas jamais fini, côté l'argent ça fait, mais son ensemble de l'argent, ensemble de comme on demandé, exactement, on demandé compte sur. Mais ensemble de structures, organisations de base qui signent notre ça, qui déclarent personnel non gata avec ancien président Martelly en ville dominicaine, c'est Parti communiste de travail PCT, Mouvement populaire dominicain MPD, Agenda Solidarité RD, Bloc populaire Jesus Hard on Front, les mouvement rebelle, comité patriotique Francisco Alberto Camanero, Deno, mouvement de solidarité Mocano avec les PEP de PEP, comité dominicain et amitié avec solidarité avec PEP, comité dominicain droit de monde, cap défend droit de monde, action afro-dominicaine, coalition, organisation populaire, sociale et féministe, Sibao, Fenatrano, solidarité dominicaine avec Haïti. C'est parmi ensemble, organisation de base qui ont même à l'organisation, disons bien, la société civile en dominicaine, qui déclarait persona non grata avec l'ancien président Martelly, qui lui-même, t'a parlé là pour fêter 14 000 dans un espace en Santo Domingo, en République dominicaine. 6h05. Dossier économie dans le journal La Économie et économiste Edzier Emile présente un tableau somme sous situation économie paysan pendant dernier temps sa yo yon croissance économique qui pipiti passé 3.3%, 4 millions moun a vive nan mizè nan moun nan parmi yo Haïti, c'est parmi raison Edzier Emile cité pour pouvoir économie paysan grave en pile. Professeur Amadé dirigeant dans l'État prend tout un mesi dans l'idée pour capable redresser l'économie paysan. Nous pral permettre aux côtés économiste Edier Emile qui j'en nous sommes tout à l'acte qui présentait un tableau sombre sur la situation économie paysan pendant dernier temps ça. Voilà, avant nous aller avec économiste Edier Emile sous même pour finir avec dossier ça net CVR Javonier CVR et puis auditoire Radio Méga concernant et ensemble d'organisations ça qui déclare personne non grata avec président Matélian. Mais hier soir tout le monde a regardé cette vidéo ça où Nelson ensemble avec Mika 20 de tout ça font cette vidéo côté yo minimiser. Alors c'est deux proches de Moudzi Nelson bandit légal Nelson comme musique ça bandit légal au Bolaria et bien Nelson ensemble avec Mika 20 hier là dans petit coup de vidéo fait, yo minimisé, yo publié sur toutes les réseaux sociaux, yo une petite vidéo pour minimiser causer persona non grata ça que ensemble d'organisations ça parlé à. Et bien monsieur ça yo fait qu'on est Michel Martelly gintan en République Dominicaine et ouais par ouais assure là la tête calée. Il dit est-ce que ça t'est arrivé là même chose j'ai une vidéo dame quoi quitter non activité consacrée élevé on va prendre quatre qui t'a demandé côté RGP de Caribéa. Est-ce qu'on pas une réalité ça jeudi à la dans balle ça ensemble de monde pas l'entrée comme monde qui vient participer dans balle avec quatre nan même cap dit côté RGP de Caribéa monsieur certain n'a tout dernier nouvelle en tout cas bon j'en ai dit ça parce qu'on connaît nous mais qu'a-t-il parce qu'en plus côté tout et plus côté tout ça y est ensemble de haïtiens haïtiennes qui profiter à faire passer revendication exactement
diaspora qui dit famille a souffert en Haïti alors que lui-même font qui bonnes amis famille riche avec l'agent ça l'agent Petro Caribea n'a causé by Michel Moto. Nous allons aller rapide avec économiste Jérémy Lajandia qui présente un tableau sur la situation économique paysan côté quoi autorité conseil nous prend toute disposition pour permettre que économie capable reprendre escape figili en côté économiste Edier Emile qui était parlé dans micro Radio Mega. Nouveau dossier que IHSC publié sur compte national de 2020 qui parlait de tout chiffre dans l'économie, hein, que ce soit croissance économique pays à jeudi à la que au bail pour 2020 qui était en croissance négative de moins 3,3%. En même temps, tout il parlait de performance secteur agricole qui était négatif, performance secteur énergie que le président parler de ça tout le temps, mais malheureusement, son croissance négative de moins 25%. Donc, toute jonvirée économique, ou pour la question finances publiques, dépense l'État ou toujours plus haut que rentrer l'État, ou pour sur le plan externe, importation est allée beaucoup plus longue, plus rapide que l'exportation. Donc, toujours un problème de déséquilibre, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan de la finance publique, que ce soit également dans ça qui gagne à ouais avec question crédit dans l'économie qui n'est pas jamais suffisant par rapport à besoin. Si il y a un secteur dans l'économie qui marche bien, c'est banque. Alors que parallèlement, l'économie elle-même gagne en mauvaise santé. Donc par rapport à ça, nous pensons que conséquences graves, ou gagne aujourd'hui, il y a un peu de monde qui a quitté le pays parce que la situation est précaire, il y a des businessmen qui ont fermé à l'investisseur domaine Pito, ou bien plus monde aujourd'hui qui est dans la situation humanitaire, c'est à peu près 4,4 millions de monde selon le chiffre des Nations Unies publié en mars 2021, et qui est deux fois plus élevé que le chiffre qui a été gagné après le cyclone Matthew. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, l'important pour que nous débattions sujet et ça a pour que nous attirions l'attention dirigeants par rapport à gravité situation hein, pour que vous gardez la question économique, gardez la vie chère pendant que vous avez un plan de relance qui a été proposé, publié et lancé en janvier 2021, qui est le pré-POC, plan de relance économique post-Covid. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mis en œuvre plan, nous n'avons pas le résultat plan. 6h10. Économiste Jérémy, il fait qu'on ait fait le même kidnapping n'a gagné gros conséquences sur le secteur économique paysan. Responsable en firme consultation Haïti efficace, là, on dit tout, situation ça, rend par un victime ou une pipov. Dans ce sens, les mandats d'autorité conseil nous prend toute disposition pour capable freiner machine insécurité à qui gagne dernier temps ça, yo, en deux pays. En côté, pour une dixième fois, économiste Edzer Emile. Ça a décapitalisé classe, comme le kidnapping décapitalisé classe moyenne.